Salut, salut la grande famille, c'est encore moi Roussi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les quatre plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez m'appeler, on peut échanger. Bref, la famille, actuellement, il dit sortez où, venez où, regardez où, vous allez être étonnés. Voici des habitants de Azopé, les Atiers sont fâchés. Les Atiers disent que Babou est ingrat. Les Atiers disent qu'il ne faut pas que Babou va mettre ses pieds à Azopé. Parce qu'ils vont les boycotter. Si Babou arrive là-bas, là, avec son équipe, vraiment, ils vont le nier, ils vont le boycotter. Et de deux, les UTB, transport, on dit ne prenez pas des gens à Abidjan là-bas et pour les amener, pour dire oui. Parce que Babou aimé où c'est pour cela, il y a beaucoup de personnes là-bas. Non, eux ne veulent pas ça. Si vous ne voulez pas que les gars détruisent vos cas là, arrêtez. N'allez pas là-bas avec le convoi. Mes chers frères, mes chers parents, quand on vous dit l'Ivoirien maintenant s'est réveillé, l'Ivoirien nouveau, l'Ivoirien s'est réveillé, l'Ivoirien n'est plus dans où on dit on veut parler et puis tu fais pas là. Non, l'Ivoirien veut voir pour croire. L'Ivoirien a vu maintenant Azopé, pour arriver, quitte à Abidjan, tu vois, là, Azopé, c'était la catastrophe. Mais aujourd'hui, regardez, Damaï Azopé, ils ont arrangé la voie, tout est clean, tout est Azopé, même est devenu joli maintenant. Mais les gars sont reconnaissants. Les gars sont reconnaissants. Ils sont pas idiots. Ils sont pas farfelus. Ils sont pas ingrats pour dire non que oui. C'est qui Papa Adoua Patrick Hachi, le gouvernement ivoirien, si tout le gouvernement des RADP ont fait pour la population des Azopé et dans la ville d'Azopé, eux ils sont reconnaissants. Eux disent que Babou les a déçus. Babou a fait tout. Babou les a fait croire que oui, c'est lui qui est la lumière. Mais il a fait 10 ans. Babou n'a rien foutu chez eux là-bas dans les villes. Aujourd'hui, ils disent non maintenant. Eux ne veulent même, eux ne veulent plus. Il veut même plus même que Gbagbo vienne là-bas pour dire va faire ses meetings pour dire non. C'est ça, je vous ai dit un jour. Dans mes vidéos, je vous ai dit non, Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire là. Gbagbo, où lui partait là, il pouvait s'excuser pour dire ah, ce que j'ai fait du mal, ce que j'ai fait ceci, ce que j'ai fait cela, s'il vous plaît, je vous demande pardon. Le seul pardon, le simple pardon, peut arranger tout, peut guérir tout. Aujourd'hui, voici ça. Voici Azopé, les attitudes, eux ont commencé à te boycotter. Les Azopé a commencé à, les Atis ont commencé à dire non, tu nous as déçus. Nous ne voulons plus de toi. Donc là, il y a un sérieux problème. Là, il y a un sérieux problème qui a commencé comme ça. Ça veut dire la plupart des villes, si les gars décident maintenant pour dire non, que nous ne voulons plus de toi, tu vas dire quoi? Tu vas dire quoi? Vous voyez? Vous voyez? Ivoirien, Ivoirienne. Vous-même, vous voyez? La famille, voici la vidéo. Écoutez très bien les paroles qui va quitter dans les bouches. Et il y a les proverbes aussi qui va suivre. Écoutez très bien et regardez les images. Voici la vidéo. Au diable, bon quoi? Ça a commencé. Bon, nous sommes à une réunion stratégique déjà. Voilà, au diable, bon quoi, tu es pour écouter la cérémonie du président. Ah, il y a une réunion, tu son arrivée à Azopé. Parce que nous sommes indignés. Alors, c'est dans la mesure où un ancien voyou, un ancien bandit, alors qu'on sait qu'un bandit demeure un bandit, mon ami Emmanuel, qui a détourné des fonds alloués à la construction du marché d'Azopé, construit une cité, investi dans une série avec un Italien, se permettent d'attaquer notre icône, la lumière de l'armée. Le Premier ministre sous l'incidence de Patrick Hachi et le Président de la République. Mais mon ami Léo, mais diantre, quand tu étais au pouvoir, qu'est-ce que tu as fait pour les acquis qui ont tant souffert pour l'implantation du FPI? Rien, nous n'avons rien vu. Le département d'Akoupé n'a bénéficié que d'une seule chose, le cimetière municipal. Ah bon, nous vous aidons à venir au pouvoir, et puis c'est un cimetière consulaire qui n'a pas de problème. Mais déjà, c'est une réunion stratégique. Il faut tout de suite retenir que d'abord, samedi, nous allons obstruer toutes les voies qui mènent à Azopé, ça fait un, et puis te boycotter jusqu'à ce que tu reconnaisses que tu es un bandit, un petit voleur, toi, monnaie. Ce n'est que la première partie. Nous reviendrons
d'un moment à l'autre avec une vidéo plus grave avec toute la population de la Koupé. Et nous allons marcher sur la préfecture pour dire au préfet déjà que nous ne sommes pas pour l'arrivée du Gbagbo à Zopé. Ça fait un. Et secondo, je m'engage, les transporteurs. On a pris qu'UTB serait retenu pour convoyer les gens. Attention! Attention à vos manières. Si nous voyons un véhicule ici, vous êtes déjà prévenu. Vos véhicules seront cassés et vous allez assumer parce que nous nous prévenons déjà. On ne veut pas voir de véhicule ici. Restez chez vous. Mon ami Emmanuel, tu as tellement fait de mauvaises choses que nous-mêmes, on n'a pas besoin de toi parce que tu es un petit voyou. Au revoir à toi. Merci. Merci. Laisse-moi compléter. Vas-y. Vous voyez un gars comme Emmanuel Monet. Mais dites à Laurent Gbagbo lui-même, en pleine saison des pluies, on a semé de la banane, ça n'a pas pu produire. Mais ce n'est pas en saison 16 encore, si c'est l'atterrissage que Laurent Gbagbo peut faire quelque chose pour nous. Si ton temps est passé. Laurent Gbagbo, tu es ingrat. Mais si tu ne sais pas, Emmanuel Monet a tenté de te tromper. Non seulement il n'a même pas de quote ici. Au conseil régional, Emmanuel Monet contre le docteur Tchang, je gagne les élections. Il te trompe. Les actions ont aidé, les BT t'ont aidé. Si tu ne sais pas comment nous dire merci. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté des propos des Atiers, ce qu'ils ont dit. Jusqu'à ils ont mis... Eux, ils disent ils sont déchaînés. Vous avez vu, non? Quand on vous dit, quand vous, avant, quand, si vous êtes au pouvoir et quand vous venez au pouvoir, avant de venir au pouvoir, des propos et des dits, des conférences, ce qui vous dites là. Avant de venir au pouvoir, là. C'est que nous, vous venez nous expliquer, oui, c'est nous, on va faire ceci. Mais quand vous arrivez au pouvoir, vous nous tournez le dos. Vous nous tournez le dos. Voici le dos aujourd'hui, là. On ne voit plus ton dos, c'est ton ventre, on voit. Vous avez vu, non? Et vous avez attendu ce qu'ils ont dit. J'ai honte. J'ai honte, sérieusement. J'ai honte pour PPACI. J'ai honte. Pour Gbagbo. Moi, à sa place, j'ai honte. Parce que, imaginez-vous, ex-président, à son arrivée, au moins, ça d'autres peut dire, ah, franchement, ce gars-là, il a travaillé, mais il n'a qu'à venir, on va voir ce qu'il va nous dire. Mais regardez, nous tous, on a vu et on continue de voir. Ceux qui, où Gbagbo était au pouvoir, là, ceux qui n'ont pas connu la gérance de Gbagbo, là, partez sur YouTube, partez sur Facebook, vous allez voir, la Côte d'Ivoire était comment.
Et après, vous allez vous renseigner à vos frères et à vos sœurs. Ils vont vous expliquer terre à terre. Voici ça. Ça a commencé à Zopi. À Zopi, les attires ont commencé, non? Demain, les abeilles peuvent terminer. Après ça, maintenant, ça va arriver. Tôt ou tard, ça s'en va. C'est pour cela qu'on dit, quand tu marches, tu laisses tes traces. Babo, tu as vu, tu as laissé tes traces, non? Tu as laissé tes traces, non? On n'est pas encore rentré en 2020. Et on n'est pas encore rentré en 2025 plutôt. Nous sommes en 2022, très bientôt 2023. Nous ne sommes pas encore arrivés dans 2025. Regarde, comment les gars ne te veulent plus? Comment les gars ne te veulent plus? Parce que quand vous étiez au pouvoir, vous avez joué avec de l'argent. Vous avez joué avec des vies des gens. C'est vos militants ou c'est ceux qui étaient autour de vous là, ceux qui vous ont dit, la vidéo est là. Moi, mais j'ai fait la vidéo aussi ça. Il a bien dit, quand nous sommes arrivés au pouvoir, on a joué avec l'argent. On a joué avec des Ivoiriens. On a fait ceci, on a fait cela. Qu'on n'a même pas travaillé. Vous avez vu? Babou, tu disais, oui, à Zopé, à l'épée, j'ai fait goudron là-bas, j'ai fait ceci. Vous avez vu? Quand tu marches, tu laisses des traces. Voici des traces aujourd'hui. C'est une honte totale. C'est une honte totale. Même aujourd'hui, si Alassane n'est pas président là. S'il dit donc, bon d'accord, je m'en vais dans telle ville, des gens vont sortir comme ça. Ils vont dire, qui est lui là où il n'était pas président, moi il n'est pas convaincu. Maintenant, où il était président, je n'ai pas convaincu. Mais où il est président, mais tout le monde va dire, ouais, c'est lui là qui a arrangé. C'est comme ça. L'Ivoirien, nous, on dit, il faut voir pour croire. Maintenant, là, on veut voir pour croire. C'est quel truc qui va nous dire encore? Où tu avais les muscles, tu étais au moins, tu pouvais courir à 100 km. Où tu pouvais faire au moins 1 km. Maintenant, où tu n'arrives pas, même pas à faire 1 km. C'est quoi tu vas nous dire? De vous à moi, c'est quoi tu vas nous dire? 10 ans, tu n'as même pas réconcilié les Ivoiriens. Moi, j'ai dit toujours, 10 ans, Babou n'a pas pu réconcilier les Ivoiriens. Moi, j'ai dit, quand j'ai dit, il y a toujours des preuves. Vous-même, vous avez vu. 10 ans, Babou dit, quand il a pris le pouvoir, en même temps, boum, la rébellion était là jusqu'en 2010. Les Ivoiriens disent, ah, il dit oui. On dit, ah bon? Il dit oui. Ok. Bon, toi, tu étais la poule, nous les poussiens. Pourquoi toi, tu ne nous as pas protégés? Les péviers, c'est les péviers qui étaient les rebelles. Les rebelles nous cherchaient pour dire que eux veulent. Mais pourquoi tu ne nous as pas protégés? Tu nous as laissés. Tu nous as laissés. Si tu étais vrai, si tu étais une vraie poule, tu pourrais dire, je suis un président de la République que je suis connu, mais réellement, la famille, franchement, je vais protéger les Ivoiriens. Je vais protéger les Ivoiriens. Mais Babou n'a pas fait ça. C'est dans quelle ville il n'y a pas eu tuerie? C'est dans quelle ville? Ceux qui n'ont pas perdu leurs parents, il peut dire Amdoulaye, ceux qui ont perdu leurs parents, eux-mêmes, quand ils voient Babou même là, ça les fait mal. Mais Babou dit, lui, dis pas pardon. Lui, dit pas Yako, parce que lui n'a pas tué quelqu'un. Mais si Babou laissait le pouvoir tranquille pour dire, bon d'accord, Damé Bédi a fait là, est-ce que quand ils ont fait à Bédi, c'est Bédi a fait quelque chose? Bédi dit, pardonnez, voici le pouvoir, tu es là-haut. Bédi a laissé tranquillement le pouvoir. Tant de Babou et tant de Bédi, quand ils ont renversé Bédi, est-ce que vous avez vu des gens mourir? Dites-moi, quand ils ont renversé Bédi, là, qui est mort? Dites-moi, c'est parents de qui tu es mort? Ils n'ont qu'à me dire ici en commentaire. Pas pour dire non que Bédi n'aimait pas pouvoir, hein, ou Bédi n'aimait pas être président. Hein. Non, parce que lui, il a vu que non, c'est pas à cause de lui, les Ivoiriens vont mourir comme les CAFA. Il a réfléchi et il a laissé le pouvoir tranquille. Mais Babou, s'il avait vraiment eu cette intelligence-là, aujourd'hui, nous sommes à 28 millions d'habitants. Imagine-vous, si les gens, ceux qui disent il y a 3000 morts, moi, il dit il n'y a pas 3000 morts. Babou même l'a bien dit. Une journée, il n'y avait que 1000 morts. Imaginez-vous, ça fait combien d'années? Où ça fait combien de mois la guerre? Si on dit une journée, 1000 morts, une journée, 1000 morts, une journée, 1000 morts, 3 jours seulement, ça fait 3000 morts. Et il y a des gens, on les a enterrés dans le puits, il
Dès jamais on les a brûlés. Et ils sont passés la liste. Imaginez-vous tout ça. Moi, si j'étais à la place de Gbagbo, si j'étais à la place de Gbagbo, sérieusement, moi, j'allais m'excuser toujours. Même si je suis pas, si je suis responsable, si je suis pas responsable, moi, je vais m'excuser. Dis aux Ivoiriens que, ah, c'est, à ce temps, c'est moi, j'étais président. S'il avait cédé, tout ça là, il n'y aura pas de mort. Mais c'est parce que je me suis joué au dû ou je suis resté là, jusqu'à me garder combien il y a d'autres même qui sont morts dedans. Regardez très bien, quand ils ont regardé, partez si les Facebook ou partez si YouTube, tapez Bunker de Gbagbo. Le juge a attrapé Gbagbo. Il y a des cadavres mais qui traînaient dans le tunnel là. Ça faisait pitié. Ça faisait vraiment pitié. Des gens qui étaient à côté de Gbagbo dans son bunker, ceux qui le protégeaient. Il y a d'autres qui ont perdu la vie. Mais Gbagbo, lui, sa famille, il n'y a aucun ou aucune personne. Aucun. Il n'y a pas quelqu'un qui est mort dans sa famille. Si la personne est morte, c'est que la personne est morte dans maladie comme cela, parce que voilà, la mort l'a apporté comme ça. Mais pour 10 balles, il est mort à cause des balles. Non, moi, je n'ai jamais vu ça. C'est pour cela. Il y a un proverbe qui dit, celui qui a vu le lion et celui qui n'a pas vu le lion, ils n'ont pas la même manière de courir. Ils n'ont pas la même manière de courir. Parce que quoi? Aujourd'hui, des gens pleurent encore. Tu es allé en prison, ils ont dit, c'est pas toi. Oui, mais si c'est pas toi, il n'y a pas de problème. Assieds-toi et puis tu réfléchis. Tu dis, mais si c'est pas moi, mais après ça, j'étais président. Mais les gens sont venus vers moi. Mais ceux qui sont morts parce qu'ils ont donné leur poitrine pour moi, ceux qui sont morts à cause de moi, ils ont donné leur poitrine pour moi. Il y a des gens, Charles Blé Goudé a fait sortir. Ceux qui se rappellent très bien, Blé Goudé a fait meeting où il a fait sortir des Ivoiriens, plus de moins, il peut dire 2 millions de personnes ou 1 million de personnes. Qui étaient dans les rues. Rappelez-vous très bien, 1 million ou 2 millions de personnes qui étaient dans les rues. Quand Blé Goudé a fait, il a dit, il ne sait même pas où il a touché, il a dit, hey, les Ivoiriens, il a dit, mais avec ça, là, les Blancs ont fait pour eux. Des gens ont sauté, des parents des gens ont sauté. Si Félix Fouet-Boigny, d'autres même ont sauté. Ceux qui ne savaient pas nager, là, ils sont morts dans la guille. D'autres, mais c'est les balles qui les a tués. Mais tout ça, il n'y a pas quelqu'un qui va faire pardon. Blé Goudé est venu, Blé Goudé a parlé. Blé Goudé dit non, ceux qui sont morts là, oui, il n'a pas parlé de Oulu, mais il a fait sortir les gens. Et puis il dit, on n'a qu'à faire une minute de silence. Ils ont fait une minute de silence. C'est là que j'ai compris que, mais Blé Goudé, tu vas où avec tout ça? Quand tu étais en Belgique, tu nous as fait croire que tu vas venir parler de réconciliation. Réconciliation, si tu veux dire deuil, ou tu veux dire une minute de silence. Une minute de silence, il allait commencer ici où tu faisais sortir des gens. Jusqu'à maintenant où tu es arrivé là. Et puis où tu es arrivé là, là, ça ne te concerne pas. Où tu es arrivé, toi, tu étais à la haie là-bas. Donc ceux qui sont morts en 2020 là, toi, ça ne te regarde pas. C'est ceux qui sont morts ou ceux que tu les as envoyés à l'abattoir là. C'est pour eux, tu pourrais dire une minute de silence d'abord. Bien avant que tu vas dire, bon d'accord, en 2020, ceux qui sont morts, on va faire une minute. Mais toi, tu as commencé ici pour dire, en 2020 là, ceux qui sont morts récemment là, on n'a qu'à faire une minute de silence. Et après, il a dit, les anciens. C'est-à-dire ceux qui sont morts là. Anciens là. Toi, Gbagbo, là, il n'y a pas considération pour ceux-là. Vous n'avez pas considération pour ceux qui sont morts. En 2000, de 2010 ou 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2002, vous n'avez pas considération de ceux-là. Ayez pitié de vous-même. Si vous n'avez pas pitié des Ivoiriens là, ayez pitié de vous. Voici aujourd'hui Gbagbo. Ils ont déchiré la pancarte de Gbagbo. Vous avez vu? Ça a commencé. Oli, oli, oh. La guerre commence. Nya, nya, film de guerre. Non, 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 non. Non, 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 non. Ça a commencé. Ivoirien maintenant veut boulot. Tu travailles, c'est pour cela Ivoirien qui est conscient, il dit, je veux le développement.
Azopé veut le développement. Azopé a réussi le développement. Eux veulent agrandir le développement. C'est pour cela qu'il dit, ne touche jamais nos dignes fils, nos dignes frères, qui est Patrick Hachi. Ne le touchez pas. Ne le touchez pas. Et on préfère le boulot que Ouattara fait pour nous. Et Ouattara fait toujours pour nous. Ils sont reconnaissants. Babou, tu as vu? Nous, on est sur les réseaux sociaux, on parle. Les gars pensent qu'on ment. Ceux qui ont vécu, ceux que tu as berné là, eux aujourd'hui, ils sont là. Même en eux, ils allument les petits téléphones, puis les gars parlent. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. J'ai honte. Aujourd'hui, Bédier peut s'élever, il va aller dans le pas. Parce que quand tu regardes la politique de Bédier et tu regardes la politique des autres, là, regardez ce qu'est PDCI. PDCI, même les militants de PDCI, ils vont allumer les caméras pour parler. Oh, ils ne font pas ça. Les militants de PDCI, comment ils se comportent là? Si tout le monde se comportait comme cela, là, wallahi bilahi. Le jour où on dit il y a les élections là, nous tous on s'est regardé, puis on marchait doucement, lentement. On marchait lentement pour aller voter, puis on se retourne tranquillement. Mais il y a des gens là, eux c'est pas ça. Eux c'est la violence, et c'est la violence qui les intéresse. On a qu'à faire des trucs, on doit se précipiter. C'est pas avec tout. On fait ça à la violence. La violence n'arrange rien, mettez ça dans vos têtes. La violence là, ne peut jamais t'arranger. Tu vas parler, tu vas aboyer, tu vas faire ceci. Ça ne peut pas. Regardez la plupart des personnes qui font les vidéos là. Regardez, les opposants, c'est des injures. Les cyberactivistes, c'est des injures. Dit des propos négatifs. Mais pour dire oui, débat, en fait, débat terre à terre, il n'y en a pas. Débat contradictoire, eux ne peuvent pas. Eux, c'est les injures là qui les intéressent. Injurer quelqu'un, dit des propos, et on va dire, ouais, mon frère, tu as cartonné, tu as boosté, c'est bien. Mais celui que vous encouragez là, voici son menton maintenant. Voici son menton, on dit non que oui, il ne faut pas, il va la zoper. Vous allez dire quoi? Vous êtes en Europe là, vous allez crier. Les gars d'Azopé disent, nous on ne veut pas. Parce qu'il nous a blagué. Vous pensez que même si Patrick Hachi s'en va là-bas, il s'en parle avec eux. Si il dit non, nous on ne veut pas là. Vous pensez qu'ils vont insister avant, hein? C'est avant la violence partait. Maintenant, ce n'est plus à la violence. Le premier ministre peut aller là-bas, il va parler aux gars d'Azopé. Et puis ils vont dire nous on ne veut pas. Parce que papa doit essuyer nous. L'âme qui coulait là, papa doit essuyer ça. Dans la vie, on dit, l'homme, tu ne parles pas. Et l'homme, tu travailles. Celui qui ne parle pas, celui qui c'est même la même personne qui travaille. Il faut avoir peur de ce gars. Pas dans la violence, pas dans la négativité, mais il faut avoir peur. Tu ne sais pas c'est quoi. Et c'est quoi il cache. L'homme, tu parles, il n'a pas de force. L'homme, tu parles, il n'a rien. L'homme, tu parles, mon frère, c'est un fainéant. Mais l'homme, tu ne parles pas. Et puis quand tu parles, il dit, ou il dit, tu sais qu'il est prêt en même temps. S'il vient là, il engage en même temps. C'est ça. Papa Ado, il parle 3 fois dans l'année. Et regardez, Papa Ado. Des gens, tu criais, oui, Papa Ado nous a promis pour dire non que oui. Accouchement gratuit. Même en Chine, même aux États-Unis, ceux qui sont aux États-Unis, demandez à Bob Lee, demandez à Don Giovanni qui a agité comme cela. Là. Demandez-lui, son enfant qu'il a eu là-bas, là, est-ce que c'est gratuit? Ceux qui sont en France là, demandez-les. Est-ce que les enfants qu'ils ont eu, est-ce que c'est gratuit? Il n'y en a pas. On réduit, papa doit réduire les charges, les dépenses d'accouchement, les dépenses, les soins médicaux. Ils ont divisé à deux. La majorité des grandes parties là, c'est l'État qui paye ça. Mais vous n'avez pas compris. L'Africain, tu vas lui dire non, quelque chose gratuit. Accouchement gratuit. Voilà. Lui, il va dire, il veut avoir 10 femmes. C'est ça. Donc, la famille. Babo, il est là, il est dans un pain. Il est dans un pain goujou à l'aile. Il est dans un pain goujou à l'aile.
Vous avez vu? C'est pour cela. Pour vous dire, maintenant, là, l'Ivoirien s'est réveillé. Le jour où papa Ado n'est pas là, celui qui va venir, s'il ne travaille pas pour les Ivoiriens, là, on va le mettre de côté. On va le mettre de côté. Les Atis ont commencé, non? Je pense que d'autres peuvent commencer. Et puis, maintenant, nous tous, on est sur nos gardes. Pas dans la violence. Hein. Pas dans la violence. Eux sont pas violents. Eux ne font pas avec la violence. Hein. Eux disent. Eux ne veulent pas que les bus ITB arrivent chez eux là-bas. Eux ne veulent pas voir Gbagbo. Si Gbagbo vraiment, Gbagbo veut encore la paix, là, Gbagbo va dire, ok, il n'y a pas de problème. Ou soit tu vas aller négocier. Mais où tu vas aller négocier là? Si Dieu ne veut pas là, laisse ça comme ça. C'est les villes, c'est les propres villes. Parce que si vraiment tu aimais Azopé là, tu allais travailler là-bas. Dama, Dieu t'ont soutenu là. Dama, les a tiés. Voilà, il est devant Dieu, devant là. Dama, les a tiés. On donnait les poitrines. Pour Gbagbo là, sérieusement, moi, je n'ai pas vu ça. Ati et Abel, voyez les deux peuples là, qui ont donné les poitrines pour Gbagbo. Mais Gbagbo, en retour, Gbagbo a fait quoi? Fio le goût. C'est pour cela que ça allait faire mal. Ça allait faire mal. Et puis, ils ont compris maintenant que c'est le développement ou rien. Nous ne pouvons pas suivre quelqu'un. Tu ne peux pas nous enlever dans l'obscurité. On veut suivre quelqu'un qui a la lumière. Personne ne vous dit, la jeunesse ivoirienne, vous avez compris. Vous avez compris. Des vidéomanes, tu passes l'être en train de critiquer, en train de dire de n'importe quoi. Là. Les gars veulent vous marmailler, les gars veulent vous madouer pour vous mettre à l'abattoir. Mais vous ne pouvez pas rentrer dedans. Nous, tout ça, on va sensibiliser, on va continuer de sensibiliser. Vous pouvez, moi, je n'ai pas dit ne votez pas Gbagbo. Mais vous, mais vous connaissez très bien qui a la lumière, qui est en train de sauver la Côte d'Ivoire. Malgré de... Et Dieu, qui a la lumière elle est là? Regardez dans les autres villes. Regardez dans les autres villes. Aujourd'hui, il y a un papa, tu m'as appelé. Il m'a appelé, il m'a félicité. Et il m'a dit franchement, lui, il a vu l'importance des papas. Donc. Il dit comment ça? Je ne sais pas si c'est à Mao ou si c'est où là. Il a dit non que oui, même dans mon propre village, Goudron a passé là-bas. Et ils ont mis l'eau potable et ils ont mis l'électricité. Goudron a passé. Mais ça, on peut dire que ce village-là va devenir tout à l'heure village que moi. Lui, il a parlé de ça là. Bientôt, vous allez voir. Village va plus être village. Village va se moderniser. Village va devenir préfecture. Village va devenir ville. Très bientôt, vous allez voir. Vous allez voir ce petit village que... Le papa m'a dit là, vous allez voir comment le village va se transformer. C'est pour cela qu'on vous dit, le développement, asseyez-vous, regardez telle vision de tel président. S'il est en train de travailler pour ton pays, il faut l'encourager. Ne reste pas là devant ta petite caméra, tu vas l'insulter, tu vas dire aux gens, sautez, allez dans la rue, allez boycotter son pouvoir, allez boycotter. Allez boycotter là-haut. Vous pensez que ceux qui vont aller là-bas, là, eux, il y a des cailloux dans leur tête? Non, non, non. 2025 là, il n'y aura rien. Ceux qui disent non que oui, 2025, il n'y aura... Non, 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 il n'y aura rien, c'est moi qui vous dis ça. Et je vous confirme, il n'y aura rien. C'est des gens qui sautent, qui disent de n'importe quoi. Sinon, il n'y aura rien. Oui. Tu finis de voter les élections 2025, là, tu finis de voter, tu prends ta route doucement, tu t'en vas à la maison, tu restes à la maison. Celui qui va se lever pour dire, il va aller dans les rues là. On va le chicoter. On va le chicoter jusqu'à ce qu'on le prend, on le met en prison. On le met en prison de 6 mois. On te chicote d'abord et puis on te met en prison. Tu quittes là-bas. Là. Le juge, on dit à telle élection. Là. Tu vas dire à tes frères, hey, même tes enfants, hey, ne partez pas là-bas. Parce que c'est les conditions maintenant qu'on va mettre. Pas pour dire tu es, on va les chicoter. C'est comme ça qu'on va faire. Donc, ce qui vous motive à aller dans les rues, sortez là. Mettez ça dans votre tête que. Maintenant, si on sort, il y a les mathémas qui vont se passer. Mathémas. Aïe, aïe. Vous comprenez? Donc, préparons-nous. Allez voter aux élections 2025 et rentrez doucement à la maison. Rentrez doucement à la maison. C'est tranquille. Alors, tu vas aller te taper la tête. Oui, lui là, il est ceci. Oui, allons-y. Et puis, vous aussi. Les mêmes
qui vous disait venez, partez dans les rues là. Voici aujourd'hui, à cause de Peter 007, les gars commencent, d'autres même veulent devenir prêtres même, d'autres même veulent devenir conseillers. Vous voyez? Donc eux, mais ils ont peur. Mais les gars comptaient sur vous. Les gars comptaient sur vous. Si vous partez dans les rues, eux, ils ont gagné. Parce que ce qu'ils ont dit là, c'est que vous êtes bêtes, vous êtes rentré dans vos têtes, vous êtes bêtes, donc c'est fini. Mais aujourd'hui, vous avez vu le 25 novembre, vous êtes resté à la maison. Qui a parlé? Personne. Ils ont dit, ah, oh, j'ai attrapé le gars là. Oui, ça a causé ça. Oui, c'est fini. Débat est clos. Mais si tu partais dans les rues et puis on te tuait, ils vont crier. Histoire de Peter là, actuellement là. Histoire de Peter là. Ils ont attrapé Peter, ça n'a pas encore fait une semaine. Vous allez voir. Je vous donne 2 semaines. Histoire de Peter, on va laisser. Il y a autre buzz qui va venir encore. Et puis, Peter là, pour lui là, on met ça dans la placard. C'est après, maintenant, si on veut réveiller les esprits, là, on prend encore. On vient parler, puis après, on laisse. C'est comme ça qu'ils vont faire. Ils ne vont rien faire, ça. Donc, laissez les politiciens en train de faire leur politique. Laissez les vidéomans en train de faire leurs vidéos. Regardez, écoutez-les. S'il y a la vérité, va, tu vas écouter. S'il n'y a pas la vérité, ignore cette personne. Ignore cette personne. Mais c'est qui, je vais vous dire, la jeunesse ivoirienne. Si tu as 18 ans, de 18 ans jusqu'en où tu peux arriver, je commence de 18 ans, il faut aller t'enrôler pour avoir ta carte CNI, pour avoir ta carte d'électeur. Ça va te faire du bien. Ça va te faire du bien. Oui, si tu as 18 ans, ton droit, c'est pour aller faire ta carte CNI. La carte CNI te permet de te promener librement dans ton propre pays. La carte CNI te permet encore, si tes frères, tes amis qui sont en Europe ou qui sont à quelque part, t'envoient de l'argent par Western Union ou par MoneyGram, tu peux aller retirer. La carte CNI te permet encore, si tu veux aller faire des documents, des papiers où on te demande la CNI, tu peux montrer et c'est facile. La carte CNI te permet encore de faire ton passeport. Tu payes le thème 40 000 ou 45 000 et tu mets la photocopie de ta carte CNI, tout. Tu vas faire ton passeport tranquillement. La carte CNI encore, mon frère, ça te permet de voter, de faire ton choix. Pas quelqu'un d'autre va faire ton choix à ta place. Toi-même, tu fais ton choix. La carte CNI encore, mon frère, la carte CNI encore. Quand tu as ça dans ta poche, même quand tu es en train de marcher, policier t'arrête, il monte comme cela là. Il lui met, il te laisse. C'est fessé sur lui. La carte CNI encore te permet vous, puisque vous avez en Côte d'Ivoire, tu peux aller mettre ton nom dessus. Là, ça devient pour toi. Pas quelqu'un, tu peux voler tes choses. C'est tellement simple. La carte CNI, c'est une bonne chose. La carte CNI, c'est pour ta vie. La carte CNI n'est pas difficile. La carte CNI, c'est facile à trouver ta carte CNI si tu es ivoirien. Mes chers frères, mes chers parents, il est temps d'avoir ça. Et il est temps aussi de s'apprêter pour aller voter. Donc, je vous dis, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes. Et aussi, je laisse mon numéro WhatsApp. Je vous dis à très bientôt.